4 exercices à faire pour avoir un ventre plat. Très facile. Pour certains et certaines, prendre soin de soi et de son corps est devenu aujourd'hui une priorité absolue, voire une obsession. Nous ne pouvons pourtant pas leur en vouloir, du moins pas totalement, car s'adonner régulièrement à des exercices et pratiquer des activités physiques en tout genre ne peut être que des initiatives bonnes pour la santé. Tour d'horizon des meilleurs exercices à effectuer pour obtenir un ventre plat, sans faire d'abdos s'il vous plaît et... Ce n'est plus un secret pour personne que vous soyez un homme ou une femme, lorsque vous prenez du poids et que vous désirez en perdre par la suite, la zone abdominale est celle qui donne le plus de fil à retordre généralement. En effet, la graisse abdominale est souvent celle qui est la plus difficile à enlever lors d'un régime ou lorsque vous décidez tout simplement de perdre du poids. Cela s'explique par le fait que celle-ci est indispensable à l'organisme, c'est ce qu'expliquent en tout cas bon nombre de médecins à ce sujet, en définissant la graisse abdominale comme étant une graisse sous-cutanée dont la principale mission est avant tout de constituer une réserve physiologique et énergétique pour notre organisme. Mais si vous souhaitez malgré tout perdre de cette graisse, certes bénéfique pour nous mais tout de même récalcitrante, il existe des exercices simples et efficaces afin d'y parvenir plus ou moins rapidement. Découvrez aujourd'hui 4 exercices qui vous aideront, à coup sûr, à perdre du ventre. Et n'oubliez pas, une alimentation saine et équilibrée et une bonne hydratation sont toutes aussi importantes pour perdre du poids, et alors c'est parti. En plus de stabiliser votre colonne vertébrale et de soulager vos maux de dos, la planche contracte vos abdominaux et gaine votre ventre d'une manière incroyable. Cet exercice est parfait si vous souhaitez obtenir un ventre plat et renforcer votre dos ou encore équilibrer tout votre corps. Quel que soit le type de planche auquel vous vous livrerez, planche haute à travers laquelle vous tendez vos bras ou planche basse dans laquelle vos coudes sont repliés, cet exercice renforce vos muscles en profondeur et vous aide à tonifier votre corps. Pour obtenir des résultats plus rapidement, tentez de réaliser l'exercice de la planche pendant 60 secondes. Si vous n'y parvenez pas du premier coup, maintenez la position de la planche pendant 10 secondes puis octroyez-vous une pause de 5 secondes. N'hésitez pas à répéter le même exercice durant 3 jours d'affilée et de vous reposer pendant 2 jours. Vous pouvez également augmenter le nombre de secondes si vous le souhaitez et si vous le pouvez bien sûr. Les premiers résultats devraient faire leur apparition au bout de 2 voire 3 semaines d'exercice le pont sur deux jambes. Le pont sur deux jambes est un excellent exercice pour renforcer ses muscles. Il suffit de vous étendre sur le sol et de plier vos genoux, puis, collez-les, soulevez-les tout en gardant vos bas et vos pieds posés sur le sol. Soulevez vos hanches de sorte à ce que vos genoux, vos hanches et vos épaules forment une ligne parfaitement droite. Restez dans cette position pendant quelques secondes, 10 à 20 secondes pour les plus téméraires, puis redescendez doucement. Répétez le même mouvement une dizaine de fois pour commencer. Au bout de quelques jours, vous pourrez tout aussi bien augmenter le nombre de secondes que le nombre de mouvements si vous vous sentez capable de le faire. Le redressement des jambes, en plus de stimuler vos muscles abdominaux de manière efficace, en les contractant notamment, l'exercice du redressement des jambes est également excellent pour le bas de votre dos. Il suffit pour vous de vous allonger sur votre dos. Soulevez ensuite vos jambes et gardez-les les plus droits possible. Inspirez en contractant vos abdominaux puis expirez en faisant redescendre vos jambes. Répétez l'exercice une quinzaine de fois. Après une semaine d'exercice, vous pourrez déjà observer la différence.
Et n'oubliez pas, ce ne sont pas vos jambes que vous ciblez mais plutôt vos abdominaux. Pensez donc à les contracter un maximum à chaque fois que vous soulèverez vos jambes. Il s'agit ici de l'exercice parfait pour brûler énormément de calories tout en travaillant à fond vos abdominaux. Cet exercice consiste à disposer ses mains écartées sur le sol. Vous devrez relever votre buste et poser vos pieds en arrière de sorte à ce que vos jambes soient tendues. Ensuite, vous devrez exécuter un mouvement de bicyclette avec vos jambes. Vous devrez constamment avoir le dos plat. L'exercice du grimpeur a la particularité d'être l'un des exercices qui cible le mieux la sangle abdominale. En effet, vos muscles abdominaux sont directement sollicités en plus des muscles jambiers. Vous pouvez pratiquer cet exercice pendant 3 minutes chaque jour. Au fur et à mesure que vous vous sentirez à l'aise avec celui-ci, vous pourrez l'effectuer un peu plus longtemps et...